Les cartes Master sont reconnaissables par leur haut de carte émeraude et par le fait qu'elles sont les seuls types de cartes qui n'ont pas d'icône d'identification. Les cartes Master sont jouables à la Master Phase, la deuxième phase du tour d'un joueur. Pour qu'une carte Master soit jouée, toutes les conditions requises doivent être respectées. Par exemple, une carte qui demande à ce qu'elle soit jouée sur une cible spécifique, disons un vampire, ne pourra être jouée que si au moins un vampire est en jeu. Si au moment de jouer la carte, aucune cible légale ne peut être sélectionnée, il ne sera pas permis de la jouer. Aussi, si la carte Master requiert un certain clan, le Metzula devra contrôler un vampire appartenant à ce clan pour être en mesure de la jouer. Il est à noter que même un vampire en torpeur est considéré contrôlé par un Metzula. Il sera question de la torpeur dans les vidéos à venir. Certaines cartes peuvent vous indiquer une condition spéciale ou encore un effet perdurant. Ceux-ci sont indiqués en haut dans la boîte de texte, en caractère gras. Si un diamant orné d'un crâne se retrouve dans la partie inférieure gauche de la carte, c'est qu'au moment de jouer celle-ci, le Metzula devrait payer de son pool le montant qui y est indiqué. Certaines cartes mentionnent qu'elles doivent être mises en jeu. Alors, au moment de la jouer, la carte doit être mise en face du Metzula qui la joue, dans son espace de jeu personnel. Si aucune indication ne vous ordonne de mettre la carte en jeu, la carte se retrouvera alors dans la défausse après avoir appliqué ses effets.